lights, get lost in between the seams. Let's take a shot, just you and me. Salut à tous, c'est SinusNega. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment avoir le Call of Duty parfait. Fini les lance-patates, fini les tous ces trucs de noob qui font chier de tout le monde. Donc là, je vais vous montrer comment avoir le Call of Duty parfait. Donc tout premièrement, vous aurez un lien dans la description. Ça va être le crack de Modern Warfare 2. Voilà. Donc vous aurez ce dossier là qui fait 11,8 Go. Donc là vous allez lancer uniquement la partie 1. Et vous vous mettez votre destination là où vous voulez le. Ici là dans Browse, là où vous voulez l'installer. Et vous cliquez sur installer et ça tout se fait automatiquement. Vous vous attendez que ça finisse. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Tac. Donc après ça vous pouvez quitter. On n'aura plus besoin de ça. Donc là vous avez installé votre jeu, moi qui est ici. Vous allez dans le dossier du jeu. Vous allez dans Call of Duty Modern Warfare 2. Ensuite, là. Une fois que vous êtes là, vous allez ouvrir le fichier qui est dans la description. Donc oui, tous les liens seront dans la description. Donc il y aura MW2. Vous lancez le jeu. L'archive WinRAR. Donc là, une fois que vous êtes là, vous allez prendre ces fichiers, les glisser dans le dossier. Moi, je vais pas le faire. Vous les glissez comme ça. Vous faites... Si ça vous demande de copier remplacer, vous faites oui. Donc ensuite, là, vous allez avoir... Vous pouvez quitter l'archive WinRAR. Vous allez avoir Launcher V3. Vous faites clic droit, propriété. Vous décochez lecture seule. Très important, sinon vous aurez des erreurs. Et compatibilité, vous cochez exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Appliquer. OK. Donc là, vous allez double-cliquer sur Launcher, ça va vous faire une mise à jour là, pour la première fois. Vous attendez que la mise à jour se finisse. Une fois qu'elle est finie, vous relancez Launcher V3, ça va vous lancer le jeu. Et on se retrouve directement in-game. Je vais vous montrer comment rejoindre des serveurs et tout ça. C'est assez simple, hein, mais on sait jamais. À tout à l'heure. On se retrouve dans le jeu. Donc ouais, j'ai désactivé le son mais on s'en fout. Donc là vous êtes dans le jeu. Donc là vous voyez que c'est vraiment différent de Call of Duty Modern Warfare 2. Enfin ici normalement il n'y a pas ça il me semble. Si je me souviens bien, si j'ai pas de bêtises. Donc là, une fois que vous êtes là, donc vous allez dans les options. Vous pouvez faire vos options. Je vous conseille de faire vos contrôles parce que c'est directement la merde. Donc là, je vais vous montrer pourquoi. Enfin, là, vous allez me poser comme question pourquoi c'est le Call of Duty parfait. C'est Modern Warfare 2, tout le monde connaît. Il y a Black Ops 3 qui est sorti. Et je vais vous répondre que. Déjà, attendez. Non, c'est pas là. Je vais répondre, regardez. Donc là, on est sur. Sur Modern Warfare 2 PC. On va dans assaut pour faire sa classe. Et regardez les armes. Boum, AK de code 4. G36C code 4. STG code 4. Type 25 Black Ops 2. Black Ops 2. La M8A1 de Black Ops 2. La AK12 de Ghost. M27 de Ghost. La ARX aussi. Remington aussi. Type 95, il me semble que ça c'est Modern Warfare 3. HBRA3, c'est Ghost si j'ai pas de bêtises, SC, ça je sais pas, MTAR, mais Black Ops 2, et SMR Black Ops 2. Là, c'est toutes les nouvelles armes qu'il y a dans le jeu, vous pouvez jouer en multi avec tout le monde les voit, ils ont leur propre son, tout ça.
Donc là, après les submachine guns, il y a la Scorpion, la Peacekeeper, Thompson de World at War, la AK-74U, ça c'est vraiment une arme mythique de Call of Duty. PP-19, c'est comme une PP Bison quoi. MSMC, la MP-40, aussi très connue. MP7 de Black Ops 2, la MP5, la Reaper, et oui, la PDW. PP90 M1 de NW3. Ensuite, pour les machine guns, il y a la HAMR. Il n'y a que ça pour le moment. Bon, pas beaucoup de monde joue avec des machine guns. Donc là, les gars, c'est en contrepartie pourquoi c'est le Call of Duty parfait, les gars. Là, M40A3, R700. Dragunov, c'est de la merde, on s'en bat les couilles. MK14, L96A1 de Black Ops, DSR de Black Ops 2, le Ballista de Black Ops 2, le Mosin, bon ça c'est World at War, c'est un peu de la merde, le MSR, le SVU, le XPR50, l'AS50 et le L118A de Modern Warfare 3. Là les gars, pour moi, ça c'est vraiment ouf. Ils ont retiré tout ce qui est lance-patate. Je vais vous montrer, je vais vous prouver hein, sur quoi on pourrait avoir un lance-patate. Sur quelle arme on pourrait avoir un lance-patate. Et sur la AK. Sur la AK. Donc là, vous avez que ça. Chargeur amélioré ou balle. FMG, je sais plus comment on dit en français, désolé. Donc là, c'est pas fini. Dans les secondaires, les armes secondaires, et dans Advanced, là, vous avez les machine pistols. Donc le P23R, le Cap 40, le RE45, les gars. Ensuite, dans les fusils à pompe comme armes secondaires, on a le Winchester, le R870. Le KSG. Et en arme de poing, le Desert Eagle en or, le M19 11-45 et le commando, le couteau commando. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc après, il y a tout dans le standard, il y a toutes les armes de Modern Warfare 2. Dans les snipers, on peut retrouver l'intervention, tout ça. En gros, vous avez toutes les armes du jeu, plus des ajouts infinis. Bon, niveau des atouts, c'est tous les mêmes. Et ouais, donc ils ont retiré les lance-patates, tout ce qui faisait chier la communauté. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit truc, par exemple. On va vous montrer quoi? Mais le DSR, les gars. Le DSR, ça, c'est vraiment un coup de cœur de fou. Donc là, change map. Ah oui, c'est là. Là les gars, j'avais oublié ce petit truc. Donc là les gars, vous avez toutes les maps DLC, les maps normales, mais là, Nuketown. Nuketown les gars. Nuketown sur Modern Warfare 2. Après vous avez des maps de Code 4. Vous avez des maps du solo. Enfin pas du solo, mais les maps remasterisées. Genre en tropical, regardez la crash de Code 4. Vous voyez l'herbe là sur l'image à droite? C'est ouf. Ensuite, vous avez les maps voilà, du solo, c'est ça, les maps du solo, mais bon, ça, on s'en bat les couilles. Donc là, je vais vous montrer Nuketown. On va lancer. Donc là, je suis en privé, donc il n'y aura pas de joueurs. Allez, allez, je fais une petite coupure pour le chargement. Donc on se retrouve dans le jeu, donc là, je vais vous montrer la classe Team Deathmatch. Rangers lead the way. Donc là, je vais pas les graphismes en fait, juste pour le bien de la vidéo. Sinon, attendez, ce que je vais faire, c'est que j'arrête les graphismes à fond. On va revenir dans le jeu et je vais vous montrer tout ça.
la qualité du jeu. Reloading. Changing mag!